Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3, les guerres du Tiberium. Et on reprendra en s'arrêter la dernière fois dans l'acte 3 de ce Wolfu. C'est-à-dire nous devions maintenant nous attaquer à l'Albanie, détruisez les réserves d'équipement militaire du nôtre en Albanie. Je dois bien avouer, commandant, que vous me surprenez vraiment. On va voir si vous pouvez continuer. Pas de pitié pour le Nod. Ils ont une grosse cachette d'armes et de véhicules dans un endroit stratégique. Leur ultime point de ravitaillement dans la région. Il est temps de le détruire, de saccager leurs réserves et de couper le ravitaillement. Vous avancez à grands pas vers la victoire. Des données satellites récentes confirment la présence de nombreux véhicules blindés d'armes de destruction dans la centre logistique du Nod en Albanie. Les images récoltées présentent des chars furtifs, scorpions et des chars lance-flammes en attente de déploiement pour défendre le temple prime de Kane à Sarajevo. Votre mission consiste à détruire cet arsenal avant qu'il ne soit utilisé contre le Jedi. Vous avez commencé avec une petite force d'attaque, puis nous vous enverrons les Firewalks pour finir le travail. Voilà. Transmission. Il faut éliminer discrètement les défenses du Nod pour que nos forces terrestres aient la possibilité de rester incognito. J'ai juste viré ça. Nouvelle patrouille de contrôle au rapport. RAS. Aucun ennemi en vue. Tous les escadrons jusqu'à la fin du premier objectif. C'est-à-dire, en fait, vous devez pas aucune escouade, ce qui est vraiment easy. Escadron prêt. Grenadier. Ce sera pas. Donc. Et le lance-grenade. Unité attaquée. Les fusils contre infanterie. Des intrus du GDI. On maintient le contact. Zone sécurisée. Tenez bon, soldats! Voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez, c'est pas perdre un homme, c'est vraiment perdre une escouade qui prend. Affirmatif! Les grenades d'accord effet de zone détruisent des escouades qui sortent des bâtiments d'infanterie. Donc, normalement, ils devraient pas avoir de problème pour les attaquer. Oui, chef! Point de rendez-vous confirmé! Objectif bonus rempli. Escadron prêt. Chargé, pareil. Allez-y, division blindée. Semi, prêt à sortir. Nouvelle transmission. Infiltrez le dépôt de ravitaillement du Nod de l'autre côté du canyon en passant par le pont de service. Or, sachez qu'il existe une technique pour avoir toutes ces unités on gradées. Le semi est un véhicule de soutien qu'on déploie dans une base de combat. J'utiliserai pas parce que ça prend du temps. Une plateforme de défense lourde qui peut réparer automatiquement les véhicules endommagés à proximité. Ici semi. Chargé et paré. Mise à jour. Alors le semi. Dépend de semi d'une balle avancée. Manuel de combat de GD, tenir une position. Certaines balles avancées vous donnent accès à un des systèmes de projection d'énergie à plus grande dose. Le semi. Le semi est un véhicule conçu pour s'aventurer dans les territoires ennemis et se transforme en un cladeur en structure de base de combat lourdement armée, équipée de Kalanga et d'un lance missile. La base de combat à se déployer peut abattre des véhicules et des avions ennemis. En bonus, le semi peut inclure des autodrones afin de réparer les véhicules Jedi. Sur le champ de bataille, la combinaison semi-base de combat est idéale pour s'emparer contre la déterre, car elle permet aux Jedi d'attaquer avant de s'installer en vue de côté des champs de Tiberium ou de s'approprier progressivement une zone importante. En stand-by. Les Jedi essaient de traverser le pont. Détruisez-les. Approchez-vous du pont, par contre. Zone de tir confirmée. Prêt ouais, pour cette base. Ok, on les tient. Voilà. Alors, le semi est très important. Ennemi ciblé. C'est une station de réparation, voilà. Commandant, on y va. On vous reçoit. Zone voilà. Confirmée. Commandant, on s'est fait repérer et le Nod a détruit le pont. C'est normal. De service. J'ai jamais réussi à pas me faire repérer. Il faut absolument faire venir des ingénieurs pour réparer le pont. Allez-y, division blindée. Nouvelle transmission. Équipage du Predator. La batterie de défense anti-aérienne du Nod doit être éliminée pour préparer l'arrivée des transporteurs Hawks. Alors c'est là en fait que la technique vous pouvez grader à fond toutes vos unités de véhicules, même d'infanterie. Okay, dégagez. Assaut en cours. On les descend. Confirmé. Zone confirmée. Pour eux aussi en fait faut demander à vos unités zone de pas attaquer. Confirmé. Ça demandera beaucoup de micro. Confirmation cible. Nous avons votre semi par contre posera problème donc ce vous éloigner du combat. Division bladée. Vos tanks, vous redemandez dès qu'un char sort. Commandant, l'opération suit son cours. D'attaquer le véhicule qui sort. Et en fait, il faut savoir que chaque DBT, c'est quoi, chaque tour RR, enfin,
Hertzog R plutôt, rapporte un petit peu d'expérience. Équipage du Predator, prêt. Et ensuite, si on, c'est-à-dire si on prend notre temps à tous à détruire en boucle, chargé, paré. Vous pourrez grader vos unités gratuitement. Je crois qu'ils en veulent encore. Donc en gros, faites comme ça. Hein. Avec vos chars, vous occupez des unités qui sortent là, ça permet de grader plus vite. Alors, à l'attaque. BBT, c'est quoi le plan? Eh bien, on les aura. Chargé, pareil. Ennemis ciblés. Les lâchez pas. Donc vos chars se graderont globalement vite. Hein. Alors, chargé, pareil. Et vous pouvez faire pareil avec votre infanterie. Hein, qui pour moi, je m'en fiche totalement. Hein. Cible confirmée. Je vais quand même vous trouver mes dites hein, pour une. À l'attaque. Predator paré au combat. Combat engagé. À votre service. Ennemi ciblé. Maintenant, le mieux c'est de mettre un VBT par. Un véhicule par tourelle anti-aérienne. Predator. Commandant. Juste là. Et on les détruit en boucle, donc vous ferez un peu de, vous ferez de l'XP en boucle en fait. Les lâchez pas. Et au bout d'un moment, vous gagnerez des gains. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est très utile, notamment d'avoir des chars dernier grec et des transporteurs de nouvelles, parce que ça vous permet de transporter sans aucun souci vos troupes d'infanterie. Là, sans aucun souci. Faut en voir pour les détruire. VBT en stand-by. On recharge, on recharge. Alors, brûlez-les. Bon, c'est long, j'en conviens, c'est pour ça que je vais pas m'attarder trop longtemps. Dans notre ligne de mire. Alors, mais bon, si vous êtes patient, faites-le parce que c'est vrai, ça peut vraiment vous dépanner. J'ai surtout envie de mettre un gamin à chacun de mes chars. À votre service. Eh bien, ils sont devant. Tirez, tirez. Feu. Predator. Donc, les chars étant les plus importants dans votre armée, c'est normal que vous essayez de les conserver. Confirmation aussi. Évitez de déployer votre semi trop près, sinon on attaquera automatiquement toutes les unités à portée. On les aura. Predator paré au combat. Elle vient de vous prouver que ça grade les unités. On recharge, on recharge. BBT en stand-by. En stand-by. Ça vous plaît. Predator paré au combat. Ça prend plus de temps pour des VBT, mais c'est. En stand-by. On continue. C'est quand même toujours pratique. Bon, on va arrêter là. Hein. Ennemis ciblés, à votre pas déconner. Ça vous plaît. Écrasons-les. Ok, on les tient. Ennemis ciblés. C'est quand même beaucoup d'amener à sa conception. Ok, on les tient. Allez-y, division blindée. Ouais. Donc votre semi, son utilité, vous devez protéger votre semi en tout cas, quoi qu'il en coûte, votre semi, votre unité est la plus importante. Ça vous plaît. Division blindée. Ce qui peut surprendre, parce que c'est la seule unité capable de réparer vos manières. Je déconseille d'utiliser le semi de manière de croire que le semi, c'est une très bonne structure de base. Non. Le semi, c'est une structure que moi je considère comme une structure de réparation avancée. C'est un poste de réparation, ni plus ni moins. Confirmé. Confirmé. On continue. Je crois qu'ils en veulent encore. Commandant. Objectif rempli. Là, c'est pas trop mal, j'ai récupéré 3 galons. Les renforts dont vous avez besoin arrivent, commandant. Escadron prêt. Commencez le débarquement. On vous reçoit. Zone confirmée. Donc la base répare et vécu à proximité. C'est ça qui est juste génial. Division blindée, on vous reçoit. Les renforts sont arrivés. Mettons-nous au travail. Tout est prêt, ingénieur. Mission accomplie. On se casse d'ici. Confirmation de l'ordre. Ça c'est bon. À votre service. Alors vos ingénieurs de l'AVPT sont très importants. Ou la mission sera annulée. Division blindée. Confirmé. C'est où que ça se passe? Voilà, vous venez de comprendre un. Une des missions, faut que vous gardiez au moins un ingénieur en vie. À votre service. Le problème c'est qu'il y aura des trucs à capturer. Donc en garder un en vie, ça va être compliqué, parce que si vous les utilisez tous, c'est pareil, vous n'aurez plus à la fin de la mission. Donc la technique, c'est... On devra prendre cette position-là pour avoir les Firehawks. Ici, il y a une caserne du node. Nous récupérons une caserne du node, on fera point d'ingénieur du node. Enfin, appeler saboteur. C'est le node. VBT en stand-by. Et l'avantage d'avoir des VBT d'élite, c'est que ça protège mieux des... À votre service. Vous êtes sûr qu'ils tiendront plus longtemps contre les véhicules.
pratique quand on transporte les ingénieurs. On va aller au spire. Progression vers la cible. Ok, on les tient. Ennemis ciblés. On allume. Nous avons tout. On recharge, on recharge. Confirmation cible. Tuons-les. Prêt pour cette phase. Predator, confirmé. Oui. Assaut en cours. Ok, on les tient. Assaut en cours. On recharge, on recharge. En tout cas, ils sont déjà plutôt bien gradés, mais... Semi, prêt à charger. Les tanks, donc c'est déjà une bonne nouvelle, ça. Ici, Semi. Ça roule. Établissez un point de rencontre sur la crête de l'Est en capturant cette unité de renfort. Tenez cette position, les renforts ne vont pas tarder. Vous voyez ce que je vous disais, il y avait une main noire. Quoi. Dans notre ligne de mire, il y a sa main noire. Notre... Défense de base, pareil. Non, c'est pas main noire. Ok, on les revient. Capturez l'unité de renfort de l'aérodrome pour recevoir des forces supplémentaires du GDI. Prêt à donner la sécurité attaquée. VBT, c'est quoi le plan? Ennemi ciblé. Nouvel objectif bonus. Capturer l'unité de renfort motorisée pour recevoir des forces supplémentaires du GDI. Donc maintenant vous comprenez le problème. On recharge, on recharge. Regardez tous ces véhicules du Node sans pilote, c'est bizarre. Non. Ça s'appelle une armerie, mais bon. Assaut en confirmation cible. C'est juste une armerie. Ok, on les tient. Zone confirmée. Predator. Zone cible confirmée. Prêt pour cette base. Division blindée. Alors clairement, ne perdez pas votre temps avec... Transporteur. Butez-les. Votre summit est votre unité la plus importante et important de la protéger. En stand-by. Sachez que par contre que vous pouvez réparer le summit. Donc l'argent pourrait être utilisé pour ça. Confirmé. BBT en stand-by. Ah parfait, j'ai déjà un tank qui arrive. Prédateur paré au combat. Confirmé. Oui. Predator, zone confirmée. Très important les tanks. Défense de base. Plus vite j'ai 3 étoiles, tout ça sera. Confirmé. Ici semi. Dans notre ligne de mire. Allez-y, division blindée. Je joue très mal, je me projette très mal en fait. Chargé et paré. Oui. Predator, confirmé. Ici semi. Assaut en cours. Prêt pour le carnage. Dans notre ligne de mire. Oh, cible confirmée, on approche. Ouais. Unité prévue. On attaque droit devant. Prêt pour cette base. On recharge, on recharge. Oh non. Défense. Pourquoi il veut pas. Oh non, j'ai encore ce bug. Non, s'il vous plaît, pas un bug. Il existe un bug sur cette mission, c'est qu'il faisait impossible de déployer parfois que celui. Ah, c'est bon. Normalement, vous pouvez déployer dans la porte. Ça arrive parfois que vous pouvez pas. C'est un bug que j'ai déjà remarqué. Normalement, on est obligé de faire avec les bugs. Ennemi ciblé. Confirmé. Assaut en cours. Que je vous rappelle que le jeu n'est pas d'hier. À votre service. DBT en stand-by. Dans notre ligne de mire. Assaut en cours. On continue. Bon rapport. Commandant. Predator paré au combat. Équipage du Predator prêt. DBT en stand-by. Commandant. On recharge, on recharge. DBT, c'est quoi le plan? Transporteur. Assaut en cours. Allez, dépêchons-nous. Même pas. J'ai du bug. En transit. Unité perdue. Ça y est. C'est pas ce que je voulais. Option pour nouvelle construction. Bâtiment désactivé. VBT, c'est quoi le C'est pas grave. Rembourse-toi. Predator. Alors, j'ai perdu mes fusillés. C'est pas trop grave. VBT, c'est vos ingénieurs. Dès à présent. Ceux qui vous restent, vous planquez là. VBT en stand-by. Je peux pas vous permettre de le perdre. Bâtiment capturé. Bâtiment. Et là, vous allez faire un saboteur pour récupérer la centrale. Vous avez besoin d'énergie. En réparation. On recharge, on recharge. Zone de tir confirmée. La confrérie charge mammouth. Mammouth en commandant. Unité de renfort en route. Ah, mon mammouth. Je suis là. La confrérie s'en va. Bâtiment capturé. Pareil. Firewalls prêt au déploiement, commandant. Prenement. Firehawk, prêt. Nouvelle transmission. Nos renseignements confirment que ces dépôts cachent une bonne partie des forces du Node dans la région. Détruisez toutes les usines de fabrication, ainsi que tous les véhicules du Node. Bon.
ça devrait le faire maintenant ce que j'ai fait. Bombardier en stand-by. Le Firehawk est l'avion à voilure fixe le plus évolué du GDI. Sa force de frappe et sa polyvalence sont inégalées. J'écoute. Le Firehawk peut aussi bien frapper des cibles aériennes que terrestres, selon les options d'armes choisies avant le décollage. Le Firehawk peut être équipé de missiles ou de bombes lorsqu'il est stationné à l'aérodrome. C'est bon, Firehawk en stand-by. Unité attaquée, objectif de mise rempli. Bien compris. Bon, okay, fallait équiper un Firehawk de missiles. On y est. Bombardier en stand-by. Unité perdue, données mises à jour. Préparez-vous. C'est bon, rentrez. Alors, le Firehawk. Je m'excuse, j'ai fait une mission secondaire, j'ai... Faut très vite des trucs de Omega leur aéroport, donc je me suis dépêché. Guide tactique du combat Firehawk. Le Firehawk est un ADAV d'attaque rapide et très malade qui peut être armé de missiles Airsoc ou RR. A vous de choisir de quelle sorte de missile vous voulez le munir, lorsqu'il y a encore aérodrome. La base avancée disponible de centre de technologie peut offrir une option de stato chasseur pour permettre au Firehawk de s'élever dans la stratosphère afin de passer outre les défenses AA ennemies. Néanmoins, il reste vulnérable aux attaques AA lorsqu'il redescend dans la ville. Assaut en cours. On recharge. Allez-y, division bladée. Firehawk, prêt. D'ailleurs, tu as... Firehawk en stand-by. Ça promet. Unité attaquée. C'est bon. Bien compris. Je les vois. Ils ont déjà plus d'aérodrome, donc c'est déjà parfait pour nous. C'est bon pour nous. Ok, bien reçu. On y est. Non. Retour à la base. Bombardier en stand-by. C'est bon. Unité attaquée. C'est mon tour. Incomparable. Chargé et paré. Alors, c'est bon. En réparation. Firehawk, prêt. On y est. Bombardier en stand-by. Alors une technique, c'est en fait vous alternez missile bombe, comme ça vous gagnez un peu de temps. C'est bon. Entre les sacs. Le Firehawk arrive. Unité ennemie. Prêt à tirer. Bon après par contre on a... C'est bon. Unité attaquée. Paré. En stand-by. Voilà. Ça promet. Honnêtement, j'hésite à refaire rentrer après. C'est bon. Ok, bien reçu. On y est. Allez-y à fond. Firehawk en stand-by. On y est. Par contre, il se régénère très vite et ça me surprend quand même. Bonsoir. Transporteur. Ok, c'est bon. On recharge. Combat engagé. Maintenant, nous allons pouvoir capturer ce dépôt sans trop de problèmes. DBT en stand-by. Le summum des blindés. Dans notre ligne de mire. Transporteur. Et ainsi développé, c'est de mémoire. En avant. Un autre mammouth. Charge et paré. Transporteur de sortie. Dans notre ligne de mire de sortie. Ah non, c'est un semi. Semi, prêt à sortir. Allez, dépêchons-nous. Mais non, il y a deux mammouths. Ennemi ciblé. Où est-ce qu'on va? Ça roule. Char mammouth prêt. Prêt pour les coordonnées. Bombardier en stand-by. Firehawk, prêt. C'est bon. C'est bon pour nous. Unité ennemie en vue. Base ennemie en vue. Voilà, ouais, maintenant on va tout rallier, d'accord. Division bladée. Predator paré au combat. Confirmé. Alors sachez qu'on dirait c'est que des chars en swarm en fait. Entrée en zone de combat. Parce que dès qu'un véhicule explose en fait, il va endommager les autres véhicules à proximité. Comme les chars en swarm quand ils explosent en fait. DBT en stand-by. Dans notre ligne de mire. Je vais vous prouver. Le GDI s'attaque à nos provisions. Descendez tous les véhicules. Allez-y, division bladée. Très impressionnant, commandant. Vous avez anéanti tous ces véhicules automatiques.
Voyons ce qui se passe quand les cibles ripostent. Je crois qu'il faut deux... deux Firehawk par obéis. Les obéis, c'est vraiment les défenses ultimes du jeu. Confirmé. Capable de vous rayer mais en un clin d'œil une armée. Enfin, à une votre armée. Service. Une grande partie de vos troupes. Équipage du Predator prêt. Zone de tir confirmée. Assaut en cours. Donc les dépôts, ça va être très rapide de détour et puis ce sera détour base. Nous avons leur position. Dégagez dans notre ligne de mire. Ok, on les tient. Firehawk prêt. Firehawk en standby. On vous reçoit. Progression vers la cible. Bah, zone cible confirmée. Combat engagé. Incomparable. Et nos Firehawks sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont, on rappelle, dernier Gevec. Des terreurs, hein. Normalement, il faut un peu plus de Firehawks sur certains bâtiments hein, pour les détruire. Entrée en zone de combat. Confirmé. Zone cible confirmée. Zone confirmée. Allez-y, division blindée. Voilà. Feu. Confirmation cible. Et hop. Zone confirmée. Bon, là, ils ont vraiment fait le dur. Je vais pas vous mentir. Transporteur. Commandant. On y va. En stand-by. Parce que l'ennemi a déjà perdu en fait tout ce qui donnait sa véritable force. À votre service. J'ai oublié de détruire. Ah, j'ai oublié de détruire ce véhicule. Chargé et paré. Prêt pour les coordonnées. Bien compris. Pas de problème. C'est bon. On vous reçoit. VBT, c'est quoi le plan? L'opération suit son cours. À votre service. Division blindée. Confirmé. VBT, c'est donc quoi le c'est plan? C'est bon, on va récupérer le dernier, service, le dernier dépôt. Hein. VBT, c'est quoi le plan? On peut travailler ensemble. Commandant. VBT, c'est quoi le plan? Objectif bonus rempli. Entraînement. Pitbull, prêt à intervenir. Predator de sortie. En stand-by. À votre service. Sortie. Charme à mout. Il n'y avait pas de deuxième charme à mout. Bah, je me suis planté. Predator paré au combat. Je croyais qu'il y avait un charme à mout. En plus. Le summum des blindés. Preuve que non. Allez-y, Hardy, en stand-by. Oui, chef. Allons. BBT en stand-by. On y va. Pareil. Exterminé. Firehawk en stand-by. Unité perdue. C'est mon tour. C'est bon. Prêt pour les coordonnées en stand-by. Objectif rempli. On vous reçoit. Et voilà. Monsieur. Bon, le plus dur, je vais pas vous mentir, c'est d'éviter de perdre tous vos ingénieurs. La technique que j'ai trouvée marche aussi en difficile, parce que l'ennemi ne supprime pas ses bâtiments, étrangement. Donc, profitez-en vraiment de ça, et ça sera tout seul. Enfin, la mission se passera tout seul. Et, pour la prochaine mission, nous attaquerons au temple prime de Ken à Sarajevo. Et comme promis, elle sera en difficile, cette mission-là, hein, je vous l'ai dit, j'allais en faire certaines, dont Sarajevo sera fait en difficile. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.